Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder ensemble le nouveau trailer du Game Pack qui va arriver sur les Sims 4. Et oui, déjà, juste après la sortie d'un Ricky Kids qui est Riyad de Rêve, Oasis, Courtière de Oasis, je ne sais plus trop quoi son nom. Eh bien, il y en a un nouveau qui sort. Bon, il est juste un petit peu tard, mais je ne l'ai pas encore regardé. Donc, on va se mater ça ensemble, du moins moi je vais le découvrir et puis on va analyser rapidement les choses qu'il y aura dans ce pack. C'est parti pour découvrir le trailer. My friend Felicia does not get my job. The other day she tells me, being an interior decorator must be so fun. You spend other people's money just to make what you want. I'm like, sure. It's not easy making dreams come true, girl. Oh, il y a des beaux trucs. Oh, ce papier peint, ces étagères. Oh, les canapés d'angle arrondis. You listen to their needs and ideas and then gently guide them to a solution. Example, I'm on a gig, bedroom remodel for Bob and Eliza, BT Dubs, great couple, super healthy relationship. Anyway, Bob I'm Eliza, doing my thing, asking my questions. What's your favorite decor? Inspirations, colors, ah. Gobbling it all up. Yum, yum, yum. So they have cool. A toddler, oh, une tente pour enfant. Button. And Eliza has this great idea of joining their room with a nursery by a way of a fabulous, her words, not mine, new walk-in closet. Oh là là, oh là là, oh là. But a little comment? C'était quoi ce truc de lit là? C'était quoi ça? Teenagers are an emotional roller coaster. Wow, il est très très grand, je trouve, pour un teen. Quoi? J'arrive même pas à suivre ce qu'elle raconte. Not to mention the designs clients have done themselves that I'm there to fix. Bedrooms full of bunk beds, pools wow. In the kitchen. Quoi? Countless spaces of people not thinking beyond the function. Bien sûr, des toilettes comme ça. It's just me yeah. Beaucoup trop de choses là. A moment to take it all in and feel what it gives back. And then I get to work. Of course, I want to make the client happy. Make wow. Their spaces better than their dreams. But to do that, sometimes I gotta go over budget. It may affect my reputation. Mais il y a beaucoup trop de choses canon. You'll probably thank me later. Besides, I've got a secret weapon. The reveal! Once they see the magic I've made, they're not thinking about budget and the look on their faces and their eyes. You've changed their lives. It's wow! Incroyable. Oh là là! Il y a des trucs trop cool. Oh my god. Just trying to make it work and my mom, she was determined to make that little apartment her own. It had charm, love. It was our home. So, when I see my clients, I really see someone trying to make their dreams come true. Ouais. No matter how ridiculous those dreams may be, I get to make them real. Maybe you can do that too. Oh, excellent. Il sort le 1er juin. Déjà? D'accord. Il sort donc le 1er juin et ce sera un game pack avec une nouvelle carrière, comme vous l'avez bien compris, avec du design d'intérieur. Il me semble qu'on avait déjà ça dans les Sims 3 et j'aimais beaucoup cette carrière. Il y a l'air d'avoir énormément de belles choses dans ce trailer et dans ce pack. On va regarder ça tout de suite, un peu plus au ralenti. C'est parti, donc on voit déjà qu'il y a une nouvelle coiffure ici. Nouvelle coiffure là, une combinaison très colorée, j'aime bien, avec ce petit chemise et Bermuda. Là, il y a quand même des putains d'étagères, vous me pardonnerez l'expression. Ici aussi, là, un meuble télé, des jolis fauteuils arrondis, un nouveau tapis. Il y a quelques petites décos ici, non, ça c'est le chien qu'on a, les bouquins on les a, le ça on l'a. Ça, il me semble que... Non, on ne l'a pas. On voit mieux ici la coiffure de la demoiselle, ainsi que ses boucles d'oreilles et des placards derrière. Je pense que c'est du coup une nouvelle cuisine et ça a l'air super moderne. Et j'adore la couleur. Dans cette chambre, nous avons donc beaucoup de choses, Un nouveau lit. La banquette, elle est nouvelle également. Les livres également. Une penderie ici que vous pouvez voir. Cette armoire là, le tableau également, et eh bien pour l'instant j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le côté un peu arrondi, ça me fait penser un peu aux meubles, à certains meubles de écologie. Là j'adore ce papier peint, j'adore aussi la couleur et je le trouve super cute et ça c'est donc une lampe, elle est très sympa. Ici on voit donc un nouveau canapé, un bol posé sur une très très jolie table basse, une autre table basse ou guéridon arrondi, j'aime beaucoup, un meuble de rangement
un nouveau tableau, un nouveau papier peint, hein, ça on l'a vu, une décoration cubique très design, une commode magnifique avec des bords arrondis. Ici c'est juste insane parce qu'ils ont collé pas mal de morceaux d'étagères et compagnie, tout à la suite, et ça rend très très bien. Alors je pense que certains éléments seront en solo et qu'on pourra associer comme on veut comme ça. Je pense que ça peut être vraiment très très cool et on peut faire beaucoup de choses. Dans ce bureau, nous pouvons voir donc la statue lama, les étagères arrondies en coloris noir, un nouveau bureau avec des règles et une équerre pour pouvoir travailler. Bien sûr, la Sims travaille sur tablette, donc je pense que ça se fera essentiellement sur tablette et dommage. Ce n'est pas en traçant sur du papier, parce que ça aurait été super cool. Un nouveau tableau où ça me fait penser au tableau que l'on voit avec la carrière influenceur de style. Le rangement qu'on a déjà vu et un bout d'une autre armoire avec une autre décoration un peu chelou. Et un nouveau tapis également. Et des nouveaux rideaux aussi, évidemment. Une nouvelle cuisine, c'est confirmé. Nous avons ici beaucoup d'éléments nouveaux. Un petit four, on dirait le mien. J'ai presque le même à la maison, mais c'est trop cool, c'est trop bien. Nous avons donc des nouveaux meubles de haut, ça je pense que c'est une lampe, des très sympas petites plantes dans des pots arrondis. Nous avons des meubles de cuisine plutôt sympas, plutôt modernes également, des chaises hautes, et puis un bout de canapé, des chaises ici également, un tapis. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Hein. Ici c'est juste insane, c'est le canapé d'angle arrondi avec une méridienne. Voilà, moi je trouve ça hyper classe. On retrouve ici encore une fois les étagères, la table ronde, une lampe carrée, des bidouillages de sculptures, mais c'est bien, ça rajoutera des trucs à faire décorer à la maison, c'est trop cool. Un nouveau tableau, des plantes, des nouvelles portes, très sympa, elles me font penser à aller aux portes d'escapade enneigée. Une étagère haute, bureau, chaise plus rangement, rideau, les fenêtres, je suis pas sûre, elles ressemblent à des fenêtres du jeu de base. Des nouveaux tableaux, donc un ensemble de bibliothèques, de rangements, une plante, enfin du moins une décoration d'herbes sèches. Et puis nous avons ici un tapis, la table basse, le bol ici. Ici, magnifique, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore les fauteuils, les tables, les nouveaux tapis. Nous avons les chaises hautes ici, et nous avons ces loupiottes ici, ces abat-jours. Moi je les trouve très sympas, avec encore les pots arrondis. Sur cette demoiselle, on voit une nouvelle coiffure, un haut et une jupe. On voit une sculpture chelou ici, des poufs ou des ottomanes, un petit peu comme ça. Et encore les abat-jours un peu dentelés. Sur cette Sims ici, on voit une nouvelle coupe de cheveux et des nouveaux vêtements. C'est une robe avec un petit cardigan noué devant. Pour ce jeune homme, on voit une nouvelle coiffure, il me semble. Et puis un nouveau haut, on semble. Lui est plutôt du genre gothique. D'ailleurs, on peut voir du coup une nouvelle petite baignoire qui a l'air super sympa. Sur cette petite fille, nous voyons une nouvelle robe avec un pull par en dessous, c'est hyper coloré, ça a l'air très sympathique. Sur cette image ici, on peut voir une très grande tente qui sera un nouveau jouet pour enfants. Ça va prendre énormément de place, mais c'est pas grave. On voit un bureau ici avec les bords arrondis qu'on a en continuité avec les autres meubles. Une sculpture ici, un tableau ici, et on voit surtout un petit spoil de ce qui va se passer pour la carrière. À mon avis, ce sera une carrière d'indépendante avec le budget du client et combien vous serez payé, et il faudra apprendre à connaître les clients, savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas pour pouvoir faire comme le mieux que vous pouvez en fait. On voit mieux ici la tente avec le gamin et Bob qui fait le con dehors. Ici on peut voir un peu plus près la toile ici et celle-ci, ainsi que l'espèce de plumeau, de plante plumeau, les lampes carrées. Ici dans la chambre d'enfant on peut voir les étagères en hauteur, la tente toujours. Et ici, ils ont fait leur dressing avec beaucoup de nouvelles choses. D'ailleurs, des chaussures qui sont juste des chaussures comme ça et pas rangées dans les racks. D'ailleurs, on voit bien le lit ici. J'aime beaucoup aussi. Il a l'air très sympathique. Lit qui devient deux fois un lit simple. Donc c'est bien. On sait déjà qu'il y aura un lit double et lit simple. Quand ce grand enfant grandit, nous avons donc une meilleure vue sur une étagère avec toujours un bibelot chelou à l'intérieur et un lit superposé simple avec bureau en dessous. Ce sera donc pour ça qu'ils ont amélioré les lits superposés. On pourra mettre d'autres choses, ceux du jeu de base évidemment. Sur ce plan, on peut voir donc une nouvelle coupe de cheveux
Je pense que c'est une coupe de cheveux pour femme qu'ils ont mis à ce jeune homme avec une veste et un nouveau coloris. Un nouveau haut ici avec un petit short. Le short me fait énormément penser au short que nous avons avec Paranormal. Nouveau lit superposé avec des petits décors et tout, ça peut être très sympa. On voit encore les rideaux et le tapis qui a l'air génial. Là on voit à peu près tous les nouveaux lits superposés qu'on va avoir avec soit un autre lit en dessous, soit un bureau. Autre plan des éléments de cuisine avec nouvel avancement et une piscine au milieu bien sûr et un bar au milieu de la piscine. Et apparemment on aura des missions un peu bizarres parce que là mettre des poubelles à côté du lit. Et on voit la nouvelle baignoire, au moins une des nouvelles s'il y en a plusieurs. Et donc des toilettes au milieu d'un champ de gnomes. Ouais. On est chez les gothiques et comme vous pouvez le voir, Sonia a une nouvelle robe avec un entrelacement dans le dos et un petit print. On voit ici sa robe, elle a l'air toute cute, toute mignonne. Ici on voit des nouveaux fauteuils, le pouf on le voit un peu mieux, le papier peint en nouvelle couleur, toujours les étagères, le bureau, le fauteuil, le meuble télé et une nouvelle toile qui a l'air vraiment sympa et très grande. Nouvel aménagement également avec, on voit bien ici, les petits trucs solo que vous pouvez donc juxtaposer et combiner avec les autres éléments de rangement. Nouveau canapé d'angle magnifique, c'est vrai qu'on n'en avait aucun dans les Sims et qu'on devait tricher pour en avoir, donc c'est génial. Et les petites chaussures solo également. Ici, nous avons deux nouveaux petits canapés d'angle, enfin avec Meridian surtout. Je pense qu'on va avoir beaucoup de nouvelles choses dans ce pack, je pense que ça va être un pack indispensable. Une partie donc des objets que l'on va avoir et donc on aura bien une nouvelle gazinière pour aller avec le reste des meubles de cuisine. Nouvel angle de vue, nouvelles petites choses, nouveaux arrangements avec des autres couleurs, une nouvelle toile. On a ici eh bien, un bureau avec une étagère par-dessus. J'aime beaucoup, c'est très sympa. Toujours avec l'espèce de fauteuil à la méridienne, un tapis, le lit superposé, très sympa. Encore une nouvelle vue de la cuisine avec des autres couleurs. On pourra mixer les couleurs et je les trouve vraiment très peps, très dynamique. Autre vue également d'une chambre avec ambiance verte et orange où on voit vraiment toute l'étendue de certains meubles. Bon, certains sont avec le jeu de base, hein, évidemment. Je pense à cette lampe, à cette table, à cette armoire, à ces hauts tapis également. Mais quand même pas mal d'éléments sont fait avec ce pack. D'ailleurs, là, ce qu'on n'avait pas encore vu, je pense que c'est des lampes. C'est assez original. Ah, voilà la belle baignoire sur pied. Elle est juste incroyable, cette baignoire. Elle est magnifique avec ce tapis. Et nous avons donc... oui, c'est un tableau sculpture, en fait. J'aime énormément. Je trouve ça super classe. Et un nouveau miroir aussi. Toujours des nouvelles couleurs pour ce nouvel aménagement dans la chambre. Et on aura vraiment beaucoup de choix. Nous avons ici, je pense, un nouveau haut et un nouveau bas. Une toile que nous voyons dans le fond sur, je pense, le nouveau meuble de cuisine avec le petit porte-torchon. Sur cette image, nous voyons donc un nouveau haut, une nouvelle jupe. Et je pense que les chaussures, on les a déjà. Et ce fauteuil également qui fera partie du pack. On voit mieux les penderies également, la porte, les canapés, le pouf. C'est vraiment très très joli. Dernière petite vue sympathique avec la plante vache qui est... Oh, regardez bien, elle a un pot, mais elle a ses racines qui sortent du pot. Est-ce que la plante vache va pouvoir se mettre à l'intérieur des maisons? Ce serait super cool. Dangereux, mais cool. Et ce game pack sortira donc le 1er juin qui arrive. Eh bien, c'est très bientôt. Donc, faites déjà des économies, quoi. Attendez votre salaire ou votre argent de poche. Et on file droit à acheter ce nouveau pack. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si le pack va vous plaire et si vous comptez l'acheter. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner puisque comme vous le savez, comme je suis Game Changer, je pourrais vous faire gagner un code. Donc ce sera dans une des vidéos découvertes de ce pack. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.